Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 11 septembre 2020 et nous voilà encore partis évidemment avec ma petite fille qui est toujours pas à la fac. Elle rentre lundi. Donc avec ma petite fille, on est partis se balader, c'est ça les vacanciers? Bah ouais. Ah bon, il me semblait bien. On est partis se balader et on va aller se balader au-dessus de Revin. Ça va te rappeler des souvenirs puisque tu as été longtemps scolarisé à Revin. Ouais. Ça sera un souvenir d'étudiante pour toi plus tard. Tu diras, c'était ma ville, j'en ai chié. Je vais faire donc coucou à Louis. Je vais faire coucou à Louis, de loin. Ah, coucou. C'est une bonne idée, on va faire un petit coucou de loin à Louis. Je ne sais pas si on voit Orzy, mais bon, on fera un coucou général. Voilà. Il ne nous regardera pas comme d'habitude, mais c'est pas grave. Hein, il regardera ses Pokémon. Exactement, les Pokémon. Donc on s'en va là-haut, au-dessus de Revin, un point de vue que ma petite fille ne connaît pas, que moi je connais bien parce que j'y vais encore assez souvent, c'est le point de vue du parapente. Alors là, on a une vue fantastique. Elle va encore nous faire des photos d'enfer, comme d'habitude, jusqu'à ridiculiser son grand-père. Mais non. Ah bon, tu me rassures. Et comme tu dis toujours, c'est parti, mon... Kiki. Ça y est, ma chère Alexandra, on y est. On a fait coucou à Loulou, mais l'autre, il s'en fout, comme d'habitude. Hein. Il est planqué encore dans une salle de cours ou je sais pas où. Hein. Donc voilà, on est au point de parapente que tu ne connaissais pas. Mm. Tu nous as déjà fait deux, trois belles photos, hein, j'imagine. Ouais. Hein. Et il fait un temps aujourd'hui magnifique parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était bien couvert ici. Et là, on a une vue sur la boucle de Meuse, là, puisque en fait, Revin, que vous voyez à la caméra, Alexandra est en train de vous le filmer, Revin est protégé par une boucle de Meuse. Et Revin, c'est une ville au fond de la vallée de la Meuse, protégée, enserrée, on va dire, dans une boucle de Meuse. Donc c'est un paysage qui est fabuleux, ma chère Alexandra, là. On vient déjà de se taper 5 km, on en a encore 5 pour rentrer. Et on va rester un moment ici parce qu'on va prendre le soleil comme des lézards. Ouais. Bon, t'es contente d'être un lézard? Ouais, fier d'être un lézard. Alors, nous ne sommes pas à Noël pourtant, Alexandra, même si j'ai la barbe du Père Noël. Et pourtant, il y a déjà du houx. Ils ont cru que c'était le Père Noël. Ils ont cru que c'était le Père Noël, donc ils ont sorti les boules rouges. C'est marrant ton truc. C'est quand même bien foutu la vie d'étudiante. Hein. Ouais. Vous êtes des sacrés feignants, moi je vous le dis. Bah c'est pas ma faute, moi je voulais rentrer plus tôt. Vous faites des révolutions, vous êtes pire que l'anarchiste. Mmh. Moi je te le dis. Bon alors, ça y est, c'est la dernière ligne droite pour toi. Ouais. C'est notre dernière balade de vacances, parce qu'après ça sera des balades scolarisées. Hein. Voilà. C'est ton dernier jour de vacances, pratiquement. Ouais, il reste le samedi. Oui, mais le temps de préparer ton sac, ta bagnole, tout ça. Et le lundi matin. Ah, et le lundi matin. Ah oui, parce que on a oublié de vous dire, mes petits camarades, c'est que la grosse feignante d'étudiante, là, qui est en face de moi, à la caméra, elle commence le 14, mais comme par hasard, à 14h. Ouais, c'est pas ma faute. Hein. C'est pas de la mienne non plus. Hein. Voilà l'arrivée de la princesse. Donc, défilé de mode sur les hauteurs. Avec donc la dernière mini-jupe à la mode, ouverte devant, fermée derrière. Voilà. On voit pas le cul. Et voilà, donc c'est une nouvelle mode que tu lances, Alexandra. Ah ouais. Bon. Mode rando, mais... mini jupe rando. Donc voilà, nous sommes là, j'espère que vous voyez tout. Est-ce que vous me voyez moi, vous voyez ma petite fille? Ouais, on voit. Ouais, là on voit. Donc voilà, on est tout là-haut sur le plateau. Hein. On est bien, on prend le soleil. Tout fait. Donc une vue d'ensemble de notre site là. Hein. Une belle vue d'ensemble. Ma petite fille, qui est toujours à la mode avec ses dernières technologies, vient de nous trouver le site météo, c'est ça que tu m'as dit? Et elle s'est mise sur la ville... Comme hein? Sur tous les portables en maman. Sauf le mien, parce que le mien est... Ah, c'est la pluie. Le mien date des tranchées de 1914, donc j'ai pas la météo dessus. Hein. Et donc, tu viens de nous dire que sur Revin, il faisait... 16 degrés. Avec des belles éclaircies, ben tu prends... Ouais. Le ciel est tellement bleu qu'il en est blanc. Donc c'est pratique, on a la température, ouais. Il est, tu m'as dit, un petit 10h, pas tout à fait, ouais, 10h. Un petit 10h, voilà. Il est 9h et quelques. Voilà, donc 58, on est parti depuis une heure et voilà, il fait 16 degrés et ça va encore monter. Hein. Ouais. C'est un coup à faire crever les étudiants, ça. Et les papis. Papy, il est incroyable, ton papy, tu le sais bien. Même en train de tomber, il s'accroche. Je me raccroche à la vie tout le temps, moi, et la vie, c'est toi. Bon, tu veux qu'on parle aussi de la fois où t'es tombé? Et que le vieux t'a retenu? On ne dira rien. Bon, et que t'allais finir en galette ou en crêpe, là?
Alors, on a fait déjà une bonne balade, hein, pratiquement 1h45 de balade là, dans les bois. Et puis, on a décidé d'aller à Rocroi. Alors, Rocroi, c'est quand même une ville où j'ai vécu 3 ans avec ton papa et ton oncle, là. Rocroi. Rocroi, maintenant, on dit Rocroi, comme tu dis, parce qu'ils ont mis un Y, c'est con là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. De mon temps, c'était R-O-C-R-O-I. Ils ont mis un Y, pour faire comme dans le temps. Dans le temps de quoi, on ne sait pas. Donc maintenant c'est Rocroi, tu as raison. Donc bah, c'est là que ont vécu ton papa et ton oncle là, pendant 3 ans avec moi, hein, quand j'étais gendarme ici à Rocroi. Et ils faisaient, eux, l'hiver, de la luge dans les remparts, et puis certainement d'autres conneries que je ne connais pas. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça, ma chère Alexandra, pour que tu vois un peu où ton papa a évolué pendant, alors je sais pas, il avait quel âge, je suis arrivé ici en 83, donc voilà, il est né en 77, voilà, 77, 83, ça fait 6 ans, voilà. Et ton oncle avait 3 ans, et voilà. Donc tu vas un peu voir leur milieu, il y a de belles photos aussi à faire. Donc c'est une ville fortifiée en étoiles par Vauban et tu verras que c'est très joli. Très très joli, ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil. Et puis ce midi, nous irons manger un bon hamburger chez mes amis Joe et Sarah. J'ai goûté. Alors tu vas goûter. Donc Joe et Sarah qui tiennent l'hôtel restaurant du commerce à Rocroi. Tu vas voir, des gens sympas. Ça changera des frites Chirosa, même si c'est super bon. Voilà, beefsteak frites Chirosa, mais on n'est pas à côté de Chirosa, là. Voilà. Quand on est à Rocroi, on en est loin. Mais on y retournera parce qu'on l'aime bien, notre petite Rosa, et puis notre petit Quentin, ouais, qui nous fait des bonnes frites. Bah, faut changer de temps en temps. On est parti. Et pourquoi tu es en train de me saluer à l'américaine, ou non, parce que le soleil te gêne? Il y a du soleil? Ouais, il y a du soleil. Ah bon. Allez, à tantôt. Hein. Allez. Encore une nouvelle maison? Oui, ma petite Alexandra, bah, tu sais bien, partout où je vais, j'ai des maisons. Bah ouais. Que ce soit dans le bois, là, on est dans les remparts de Rocroi. Donc ça, c'est une maison en dur. Il est content, le papy. Et là, il y a tout qui tombe. Oui, le papy, il est content parce que lui, il est chez lui partout. Moi, je suis un squatter de la vie. Je squatte partout où il y a de la place. Et puis voilà. Que ça plaise pas. C'est comme ça. Monsieur Vauban, il m'aurait bien construit une maison au moment où il a construit les remparts. Ouais. T'es gentil, monsieur Vauban, là. Il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de ma nouvelle maison? Bah, elle résonne fort. Ça résonne fort? Ouais. Ben, c'est pour toi un héritage. Tu t'émerderas avec tes frères et sœurs. Je vous lègue ça. Bon, ben, voilà un peu les remparts de Rocroi. Ma petite fille Alexandra fait des photos. Donc c'est très 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 joli. Elle a vu qu'il y avait un petit lézard. Bah, tu penses, dès qu'il y a des pierres et puis du soleil, les copains sont là. Hein, ouais. Et alors, bon, par contre, elle a un problème. Alexandra, elle est comme moi. Hein, c'est aussi quelque part un estomac sur pattes. Comment ça va, la dalle? Elle vous l'a dit, elle vient de vous le dire à la caméra. Tu as la dalle. Et quand on a la dalle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va manger. On casse la croûte. Voilà. Les amis, nous sommes l'après-midi. On a fait 2 balades ce matin avec ma petite Alexandra. On a fait donc Rocroi, Revin, La Falière, donc le site, hein, du parapente. On a fait les remparts de Rocroi. Et puis tous les deux, on avait faim, n'est-ce pas? Très faim.
très fin même. Donc nous sommes allés chez mes amis, Joe et Sarah, qui tiennent l'hôtel du commerce, je le répète, à Rocroi, très, très bel établissement d'ailleurs, où on a mangé avec Alexandra un putain de gros big hamburger de machin, un truc de fou. Pas le truc du McDo. C'est pas... S'en est loin. Déjà la taille. Déjà la taille. Et le goût. Donc t'as bou... Et le goût, t'as bien raison. Donc t'as bouffé ça, t'as plus faim. Il nous restait quand même une petite place pour la glace. Tout passe avec la glace. Tout passe avec la glace, t'as bien dit. Toi, tu devrais faire publicitaire plus ouais. tard. Hein. Et puis, bah, nous voilà repartis pour une troisième promenade près de mon petit lac forestier que ma petite Alexandra connaissait pas. Qui est beau comme tout, n'est-ce pas? Ouais. Magnifique. Alors comme tu dis, il faut faire gaffe de ne pas tomber dedans, mais en même temps... Il n'y a pas tant d'eau que ça. Le pire, ouais, ça serait ton téléphone. Voilà. Ou ma caméra. Donc, nous voilà repartis, encore en vadrouille, parce que nous sommes des vadrouilleurs. Comment tu dis? Des traînards. Ouais, des traînards. Voilà. Donc, on en profite. Alors, c'est vrai qu'on nous avait promis quand même un soleil beaucoup plus fort oh, que ça. Vache. C'est pas terrible. Hein. Il est énorme, ce truc. Bon, tu tiens la caméra? Oui, je tiens la caméra. Des bourdons, des abeilles. Ah, mais le truc, il est énorme, c'est pas un bourdon, hein, c'est un truc énorme. Ah oui, alors, faut que je vous raconte quand même un petit truc, les enfants. C'est que ce midi, on prenait l'apéro en terrasse avec ma petite fille et qu'il y a eu deux copines guêpes qui sont venues la voir. Bah, du coup, on est rentrés. Bah, ouais. C'est mieux, non? Ouais. Donc voilà, une superbe journée, encore une superbe balade. C'est la. La dernière balade avant un petit bout de temps hein, pour mon Alexandra qui va rentrer à la fac là. Mais voilà, papy lui a dit, tu viens de balader avec papy quand tu veux, malgré tes cours à la con. Ouais. Ouais. Malgré tes devoirs, malgré tes révisions. On va voir le super emploi du temps à la con. En plus, tes stages à la mort-moelle, machin. Ouais. On va bien trouver un moment pour s'accorder tous les deux et aller encore traîner. Bah oui, faut bien trouver. Toute notre vie, on va traîner, n'est-ce pas? Tchuss! Wiedersehen, Kenavo, Wasato. Voilà, une belle vue de notre petit lac, notre petite mare, on va dire, forestière, hein, que mon Alexandra connaissait pas. Donc elle a fait connaissance avec un bourdon asiatique déguisé en je sais pas quoi. Un frelon, j'allais dire un bourdon. Un frelon asiatique qui a changé de couleur de vêtements. C'est le haut, il est marron, le cul, il est jaune et noir, je sais pas. Oui, non, et en plus, c'est comme ça. Je sais, oh, toi, tu t'approches de moi, tu... C'est un transformeur, le truc.